Une descente à 30 mètres sous terre. Les grottes de Lanoraie, c'est comme plonger dans l'histoire il y a des millions d'années. C'est un fossile de coquillage. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de... Ouais, c'est... Je sais ce que c'est, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une moule géante. Alors oui, c'est un animal en fait qui vivait à l'époque du Jurassique, donc il y a 160 millions d'années. Ce site a été découvert par hasard. En 1913, l'entrée de la grotte servait de cave à vin à son propriétaire. La suite, c'est un jeune visiteur qui nous la raconte. Un jour, il y a son chien qui a commencé à creuser un mur d'argile. Et celui qui habitait au-dessus, il l'a aidé. Et ils ont trouvé toute une autre partie de grotte. Et après, ils ont continué à creuser et ils ont trouvé plein de grottes. Au total, 150 mètres de galeries et 6 salles ouvertes à la visite. Et un spectacle grandiose pour ceux qui ont de l'imagination. Ici, des fromages du Poitou, des chabichous, là, des oreilles d'éléphant. Bref, un enchantement surtout pour les enfants. Elles sont impressionnantes. Qu'est-ce qui est impressionnant? Tout ce qui est au plafond. Bah déjà les stalactites, les stalagmites, il y a beaucoup de choses de très impressionnantes. La visite dure 45 minutes et le site est ouvert tout l'été. Une bonne idée de sortie, surtout lorsque l'on a besoin de se rafraîchir, car ici, toute l'année, la température ambiante est de 12 degrés.